Bonjour les amis, petite découverte sur Days Gone. Après le petit sondage que j'ai eu, bon, j'ai eu quelques petits pouces avec un petit commentaire d'un abonné qui m'a dit de faire un petit let's play. Donc je vais faire un petit let's play, je vais voir si j'ai des commentaires et pas mal de pouces. Et je ferai peut-être un gameplay dessus. Peut-être une vidéo par jour. Ça dépendra au nombre de vues que j'aurai fait sur cette première découverte de Watch Dog. De Poche Dog, excusez-moi. De Days Gone. La petite cinématique. Elle est brûlante. La lame a dû toucher le rein ou un truc comme ça. Elle fait une septicémie. Comment tu te sens, petite sœur? J'étais belle. C'était une grosse. Juste une grosse. Avec un gros couteau. Hé, aide-moi. Allez. Okay, viens. Merde. Encore une fois. Même le filet a brisé. Il faut qu'on monte sur le toit pour faire signer ces hélicos. Okay. Attendez, aidez-nous, elle est blessée. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a... Elle a pas le truc qui touche les autres. C'est un coup de couteau. Je peux plus prendre personne. Ok, écoutez, Brian. Si on la conduit pas à l'hôpital, elle va y rester. Comment ça, plus d'hôpital? Vous avez des docteurs, un tri des blessés, des militaires! Hey, écoute, je suis en dernière année, ok? Je peux supporter volontaire, je même pas sur cette main! Brian! Ok, merde. Je peux prendre que deux personnes, ok? Deux! Quoi, vous avez de la place que pour deux? On est en surcharge, ok? Je peux en embarquer que deux, c'est tout! Allez, aidez-moi, allez! Ma chérie, ça va aller. Tu vas t'en tirer. Je m'en occupe. Je reviens tout de suite. Ok, Bouza, on y va, faut qu'on embarque. Faut qu'on monte dans le grand. Ils ont de la place que pour deux d'abord. Alors vas-y. Va avec elle. Je vais me tirer. Et les autres, pas vrai? Hein? Ouais, c'est vrai. Vous allez où, là? Quoi? Vous allez où? Au camp de réfugiés, Swiftinger Jack, à l'ouest. Boozer s'en sortira pas si je pars avec vous.
Cosmé, il doit pas être loin. Attends, attends, coupe ton moteur. Merde, elle est vivante. Alvarez. Et Alvarez. Alvarez. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Hein? Qui a fait ça? C'était un coup des Reapers. C'est parti, à la poursuite de ce temps pas fait. Petit moment de gameplay. Sorti de la route. Bon, désolé les amis pour la coupure. J'ai mon casque qui s'est coupé. Qu'est-ce qu'il va? Y'a rien ici. Oh, c'est saloperie de temps. Je suis peut-être planté. Rond pouce baissé. Non, ça fait un bail que Léon fait du matos à copain. Ça finit par le rattraper. Hé, hé, hé. Au fait, t'as appris à pister comme ça. Aller chasser l'élan avec mon vieux. Pister des bêtes, c'est des kilomètres. Il n'y a plus de balles. On le fume. Ça va, frangin? Ouais, mais... C'est juste une égratignure. Espèce de pute vise comme un pied. Putain de merde. Ça va, Boozer. Il
Il a sûrement pris par là, vers la cascade. Il pisse le sang. Il ira pas loin, allez bien. Pas de la trouver. Fouille-le. Tu te vides, hein? Sale façon de crever, c'est lent. Et ça fait un mal de chien, mais ça douce déjà. Elle est encore en vie quand on l'a trouvée, fils de pute. J'allais sûrement pas gâcher une balle pour elle. Attends, on s'énerve pas. Où sont les médocs, Léon? Si tu te mets à table, moi, au moins, je te promets que tu auras droit à une mort rapide. Je crois que tu souffriras pas très longtemps, Léon. Je t'explique, t'as un petit souci. Niffler ton sang qui coule. Et de très très loin, à ton avis, ça fait quel effet, hein? De se faire étriper. Et bouffer de cru. Il va pas tarder à le savoir. Ne te ferme pas, Dieu, Léon. Attendez, attendez. D'accord, d'accord. Partez pas. C'est juste là, tiens. Où ça? Dans le cimetière. Je les ai cachés dans le cimetière. Merci. Ça veut dire que... Merci. Mais laisse pas clamser comme ça. Vas-y. Fais-le. Enfoiré menteur! Allez, maintenant faut aller. Faut retrouver les motos. Hey, minute. Je veux fouiller ce camp. Au cas où il y aurait quoi me rafistoler. Voilà. On irait chasser, ça et rapporter quelques primes à tes cœurs. Ah, si tu veux des cordes, frangin. On a besoin des crédits. Faut qu'on fasse des réserves de matos. Ouais, d'accord. Je veux pas passer toute la nuit dehors. Surtout avec les zombies qui traînent. La vache, je manque d'exercice. Non, bordel. Quoi? Le fils de pute. C'est arrivé de l'essence. Non, pas carburant. Léon, ouais, il m'a fendu ma pompe en flux. Ça donne quelque chose, sa moto? Non, elle est foutue. Écoute, on a qu'à retourner au Mont Oliri. Demain matin, on ira trouver des têtes détachées pour ta bécane. Non, je crois que j'ai une meilleure idée. Autant s'en occuper tant qu'on est là. Ouais. Chez Crazy Willy, c'est pas loin d'où on est. On a qu'à y faire un tour. C'est quoi ton plan? On devait sortir chasser cette nuit, non? Chez
C'est Crazy Willy, c'est aussi bien qu'ailleurs. Ok, ça roule. Allez, c'est parti, petite balade en moto. Hey, la file est quoi, Léon? Une espèce de carte. Quand on aura récupéré ma bécane, on ira filer du côté du cimetière. Ouais, ça roule. Bon, demain, on récupère les médocs, on les rapporte à Tucker et on collecte la prime sur Léon. Après, on file vers le nord. Tu penses que c'est différent dans le nord? On s'en fout, ça nous ferait du bien de tirer d'ici. Attends, la route est bloquée. Fais gaffe. J'ai vu un piège de ce genre il y a deux jours. Les Reapers avaient barré la route avec une vieille camionnette. Allez, aide-moi à la bouger. Il est beau le zombie dans la bagnole là. Bon bah de la baston déjà. Bon, on peut pas fouiller les cadavres. C'est nul. Viens vous fouiller les Maccabées, moi. Que je viens de tuer. On reprendait la route et on parta directement encore trouver un endroit. On y est presque. Ah ouais. Merde, qu'est-ce qu'on fout là? File-moi ton fusil à pompe, je passe devant. Bon, allez. On va faire sauter du... On va aller faire sauter du zombie. Cool. On dirait qu'ils se sont retrouvés acculés au checkpoint. Et ça a plutôt mal tourné. T'as plutôt fini à 6 pieds sous terre avec ses vins du tonnier. Ouais. Regardez, quelle bande d'abrutis tous autant qu'ils sont. Fouiller les voitures, hein, on peut. Trouver ce qui traîne dans les voitures. C'est moche de partir comme ça, dans un trou à rats de ce genre. Désolé les amis pour la coupure avec mon casque. Forcément je pense à le recharger. Voilà. Encore fouiller toutes les bagnoles que je peux trouver. Voir ce qui est intéressant à récolter qu'il y a dedans. Petite cinématique. Sans ça. Oh putain. Ouais bon. Allez viens, on se tire. Attends une seconde. Il te reste combien de molotov? Laisse, on verra ça au tour. Ouais. C'est ça. Va chier. Je rêve. Tu cherches vraiment la merde.
les morts. Tu vas me péter mon fusil. Ouais. Ok. Tu vas y retourner, hein. De quoi tu parles? Putain de camp réfugié. T'agis comme ça que quand tu penses à y retourner. J'agis comme quoi? Par responsable de sa mort. Laisse tomber. Démonter dans l'hélico à l'hélico. Bonne nuit, le Maccabé. Débranche le klaxon et récupère du matos. On passera pas par là. Hey, essaie ce tunnel de service. Vois si tu peux nous dégager un passage par l'autre côté. Ça marche. Braque ton phare par là-bas. Ok. Bah. Oh putain. J'étais pas prêt. D'accord, bon. Super. Bon, bah, je viens de me faire tuer et me faire bouffer. Cool. Ah, j'étais pas prêt à ça. Hey, essaie ce tunnel de service. Vois si tu peux nous dégager un passage par l'autre côté. Ça marche. Braque ton phare par là-bas. Ah, là, y a du matos. Ouais, pas deux fois de suite, hein. La manette des flics, il y a peut-être du matos intéressant. Chez les poulets. Des bastos. T'as
t'enlève pas. On peut voir, toutes les voitures ne pourront pas tous les ouvrir. Encore un nid. Ouais, je le sens. Il te reste combien de molotov? Tu viens d'utiliser le dernier. Et il te reste de quoi en faire? Ouais. Allez, fabrication de molotov. Ce sera pas long. Ça fera l'affaire. Allez, venez, je vous attends. Allez, grimpe. Ouais, j'arrive. J'ai réfléchi à ce que t'as dit. Partir vers le nord. Moi, ce que je dis, on devrait se tirer d'ici. Ça te changerait les idées. Un matin, on récupère les primes et on met les bras. Viens parler, frangin. Ça me plaît. Bienvenue à Fort Monstre. Merde. Ça grouille de partout. Ah oui, effectivement. Il se bouffe entre les cours. C'est bien ça. Fais chier, on a pas assez de mission. T'as une idée? De toute façon, elle sera pas bonne. Tu vas traverser le patelin pour en attirer un maximum derrière toi, ok? Et moi, pendant ce temps, je passe derrière la butte pour rejoindre le garage. Putain. Mais laisse-moi juste le temps de trouver les pièces dont j'ai besoin, ensuite tu reviens et on se tire en vitesse. Quand j'en aurai refroidi quelques-uns. Sérieux, t'as vraiment envie de crever? Comme je te disais, pas aujourd'hui. Ouais. Eh bah putain. Saleté de tétard. Allez, fichez-moi le camp, saleté. Eh bien les amis, je vais donc aller me diriger où je dois aller.
Ah, pas mal, on peut se cacher dans les poubelles. Je viens de le fracasser à la batte de baseball, celui-là. Ah, il faut le crocheter, j'ai pas... Je dois aller trouver un truc, je ne sais même plus quoi ce que j'ai trouvé. Pas encore, il trouve comment accéder au garage. Il y aura sûrement sur Pacaru. Bon bah grouille-toi. Je viens de passer un tir. Comment t'appelles ça déjà? Les trucs que les Reapers accrochent. Des totems. Ouais, ouais. Ça veut dire qu'ils sont dans les parages. Alors, comment entrer dans ce putain de garage? Allez, bonne nuit le zombie. Zombie de malheur.
tout cas, par contre, j'ai rien perdu au niveau du truc pour le carburant. Ça, ça fait plaisir. Une petite lettre. Ah, je suis plein de munitions. Il doit bien y avoir un carburant quelque part. Trouvons la pompe à carburant. Tout ça. Piquons tout ce qui est là. Ah. Voilà. Bowser, t'es là ? J'ai trouvé la pièce. Je me dirige vers l'autoroute. Bowser. 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 C'est pas vrai. Tiens bon, Bowser, il arrive. Merde. Des Reapers. Les entends. Petite cinématique. Oh, les enculés. Tu dois être déçu, Motard, car tu es égaré et nous avons été compris. Va te montrer. Toi, ne va être trouvé. Tu es égaré. Bon, je peux sauver mon pote ou pas? C'est mon pote qui crève. Saloperie. C'est pas vrai. Et merde! Attends, je t'ai dit. Arrête, fais merde. Ouais, allez, doublé. Faut pas rentrer. Wesh, une horde. T'as vu mon bras? Regarde pas. Putain, mon bras. Je suis sérieux, regarde pas. Le regarde pas, je te dis, allez, monte! Eh ben, pour une des découvertes, c'était déjà pas mal, bien chaud. Et je suis mort une fois. J'attends que la cinématique soit finie, les amis, de petit chargement, pour voir la suite. Et je couperai donc la vidéo de découverte. Si ça vous a plu, bah n'hésitez. Putain, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. T'as qu'à m'attendre ici. Je vais m'assurer que la voie est libre. Si la vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et à me mettre des petits pouces bleus et des commentaires. Ça me ferait plaisir. Après la fin de cinématique, je couperai donc la vidéo. Les amis, et merci d'avoir regardé ma découverte sur... Je vais chercher ma bécane et aussi des trucs pour ton bras, ça va aller ?
Ouais. Cool. Cool. Ouais. Je vais faire un saut. Days gone. Ils doivent avoir le vent d'acheter. Attends, je pas ma bécane là-bas. Non, 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 t'inquiète. Je vais y aller à pied tant qu'il fait encore jour. Hé, hey, j'ai des munitions si tu veux. Dans le casier près de la porte. Merci. Hé, laisse mon fusil à pompe. Boozer. Ok, tiens. Voilà. Merci, ange. Je me sens à poil sans lui. Et voilà les amis. À bientôt. Portez-vous bien. Tchuss.